Bonjour Monsieur Diallo. Bonjour. Alors, présentez-vous à nos followers, nos lecteurs et tous qui nous suivent à travers les différentes plateformes. Alors, bonjour à Guinée Matin, bonjour à tous vos followers, à tous ceux qui vous suivent. Donc, merci d'être chez moi pour parler d'un événement important, majeur pour la presse guinéenne. Je m'appelle Amadou Diallo. Je suis journaliste, ancien journaliste de BBC Afrique, grand reporter. Voilà, je pense que c'est suffisant. D'accord, Monsieur Diallo. On sait que vous avez servi longtemps au sein de la presse nationale, elle-même ici en Guinée. Exactement. La presse publique. Oui. Vous connaissez toute cette crème de journalistes qui a fleuri au fil des temps. Et aujourd'hui, nous parlons de Monsieur Souleymane Diallo, le fondateur du journal Le Lynx, La Lance et même la radio Lynx FM et aussi le Lynx.net. Parlez-nous de M. Souleymane Diallo, de votre première connaissance, où vous vous êtes connu avec M. Diallo Souleymane. Bon, je ne saurais dire exactement à quel moment précis de l'histoire ou de mon évolution ou lui-même de son évolution, à quel moment on s'est connu, puisque ça remonte à bien des années. Moi, j'ai commencé la radio-télévision guinéenne, la RTG, en 1986. En 1986, probablement que Diallo Souleymane n'était pas encore en Guinée, parce qu'il s'était exilé, pour des raisons sur lesquelles peut-être nous reviendrons. Mais après, je pense que je l'ai connu lorsqu'il a lancé en 92 le journal Le Lynx. C'est en ce moment que je l'ai connu, puisque le lancement du journal Le Lynx comme journal satirique, c'était un événement qui ne passait pas inaperçu sur le paysage médiatique guinéen. Donc évidemment, c'est en ce moment que j'ai commencé que je l'ai connu, c'est en ce moment, donc en 92, disons en 92, oui, en 92. Ici, à Conakry. À Conakry, évidemment, à Conakry. D'accord. Et depuis que vous l'avez connu, quelle a été la nature de vos relations, les rapports que vous avez entretenus? Est-ce c'était que des rapports professionnels ou ça allait même au-delà? Non, en réalité, j'ai beaucoup de respect et d'admiration pour Diallo Souleymane, pour le doyen Souleymane, mais les rapports que nous avons entretenus, c'est beaucoup plus, je crois, des rapports professionnels. Comme je vous le dis, je l'ai connu lorsqu'il a lancé son journal. Donc, et puisqu'il a lancé son journal Le Lynx en 92, donc c'est à partir de 92 que je l'ai connu. Mais nos rapports sont restés professionnels. Beaucoup plus professionnels. Évidemment, sur le plan humain, sur le plan social, je ne dis pas qu'il n'y avait pas de rapport, il y a eu aussi des rapports, parce que quand il y a un événement heureux ou malheureux, évidemment, on se fréquente et quand il y a un événement heureux ou malheureux, on se fréquente. Donc, ce n'était pas que des rapports professionnels, mais beaucoup plus professionnels. Alors, au début des années 90, il crée son journal. Et vous, à l'époque, vous travaillez à la RTG? À l'époque, je travaillais à la radio-télévision guinéenne. D'accord. En 92. J'étais à la radio-télévision guinéenne. J'étais reporter, j'étais présentateur et je produisais des magazines. Et tout de suite, qui a fait le premier pas vers l'autre? Bon, probablement que c'est moi qui ai fait le premier pas. Parce que comme je vous le disais, la création du Lynx c'était pas un événement inaperçu, c'est pas passé inaperçu. Je pense que c'est moi qui ai fait le premier pas vers l'immeuble Bal de Zahir qui abritait le Lynx. Peut-être pas tout de suite, mais progressivement, je suis certainement allé soit pour prendre un journal ou pour rendre visite à un ami, parce que j'avais des amis là-bas. Et c'est comme ça que, avec lui, disons, c'est comme ça que je l'ai connu.
C'est comme ça que je l'ai connu, progressivement. Jusqu'à ce que je commence à travailler pour le service monitoring de RFI en 1995. En 95, j'ai commencé à travailler pour RFI, mais pour le service monitoring ou le service coopération. Et puisque je traitais aussi de nouvelles, pas forcément traitées par la radio nationale, mais de nouvelles qui étaient traitées seulement, je crois, par la presse privée, puisque c'était des nouvelles un peu chaudes, un peu, disons, sensibles. Oui, c'est comme ça que les fréquentations avec les journalistes commencent. Et en 97, j'ai commencé avec la BBC. Évidemment que je le connaissais déjà avant. Et il m'est arrivé d'ailleurs de rédiger certains de mes papiers là-bas. Quand je suis en ville, qu'il y ait un événement important, je n'ai pas le temps de revenir en banlieue. Je débarquais au siège du Lynx. Oui, absolument, je débarquais au siège du Lynx. Tout le monde me connaissait, lui-même il me connaissait. Il y avait beaucoup de respect et d'admiration pour moi aussi. Comme moi, j'ai du respect et de l'admiration pour lui. Donc j'allais là et puis il y avait un petit local qu'on nous laissait d'ailleurs. Parce que j'étais pas le seul journaliste qui venait là-bas pour travailler. Donc je produisais certains de mes papiers là-bas, je les enregistrais, je faisais le mixage, je faisais tout. Et puis je balançais par internet. Donc il m'est arrivé très souvent d'aller travailler là-bas quand je suis en ville et qu'il y ait un événement important, majeur. Est-ce qu'avec lui vous avez étroitement collaboré, c'est-à-dire qu'il y ait des rapports entre vous à deux, peut-être sur le cadre professionnel Sur le cadre professionnel, oui, j'ai fait des reportages avec lui. J'ai fait des reportages extrêmement difficiles, extrêmement sensibles, extrêmement périlleux avec lui. Racontez-nous. Eh oui. Disons, le premier grand reportage que j'ai fait avec lui et qui était vraiment difficile, périlleux, dangereux, c'était en 2005. En 2005, nous étions en ville, probablement que nous étions même au siège du Lynx. Et nous avons appris que le cortège du général Lansana Conté a été attaqué à Koza en 2005. C'est une grosse nouvelle, évidemment. En tant que correspondant de la BBC, je ne peux pas balancer simplement une nouvelle comme ça. Il faut vérifier l'information, il faut même la revérifier. Et la meilleure façon de vérifier l'information, c'est d'aller sur le terrain. Et le terrain ici, c'était Koza. C'est là où le cortège a été attaqué. Donc il fallait partir à Koza pour rencontrer, pour avoir des témoignages, pour voir là où ça s'est passé. Et donc j'ai dû précipitamment quitter la ville, je crois le siège du Lynx. Et donc je sais que Souleymane Diallo aussi avait quitté le siège du Lynx pour aller à Koza aussi. Et donc nous nous sommes retrouvés à Koza. Évidemment, c'était difficile de communiquer, mais nous n'étions pas dans les mêmes voitures. Marcher dans ma voiture, il était aussi dans une voiture, dans des voitures séparées, mais c'était impossible de communiquer puisque le réseau téléphonique avait été brouillé dans la zone. Les bérets rouges de la garde présidentielle avaient été déployés là. Et donc chacun de nous, Souleymane, moi, nous étions les rares journalistes à nous y rendre. Je crois que Mouktar Ba aussi était de la partie. Je crois même que Souleymane Diallo était avec Mouktar dans la même voiture. Moi, j'étais dans une autre voiture. Les deux étaient dans la même voiture et moi, dans une autre voiture, dans ma propre voiture. Et nous sommes tous dirigés vers Koza. Et les militaires étaient déployés là. Et puis, voilà, chacun a essayé de collecter le maximum d'informations qu'il pouvait. Moi, si j'allais trouver les bérets rouges, j'ai posé des questions. J'ai posé des questions également à des témoins. J'ai fait des interviews, pas avec les bérets rouges, mais avec des témoins. Puisque les bérets rouges, s'ils avaient accepté évidemment que j'allais faire des interviews, mais eux, vous savez, souvent, ils ne parlent pas. Voilà, ils ne parlent pas, mais j'ai quand même pris
glaner quelque chose avec eux. Et le fait de les voir déployés là à Nombre, c'était aussi déjà une information. Et les témoins, des passants. Donc ça, c'était le premier grand reportage que j'ai fait avec Diallo Soulman. Je dis grand reportage parce que ce n'est pas tout le monde qui pouvait aller à Kosa. Tout de suite, dès après l'annonce de la nouvelle, ce n'est pas tout le monde. Étant donné que quand ça arrive, des choses comme ça, la garde présidentielle, les bérets rouges sont déployés et ce n'est pas facile d'y aller. Parce que vous connaissez leur état d'âme quand des situations comme ça arrivent. Ils peuvent s'en prendre à vous, ils peuvent vous brutaliser, ils peuvent retirer votre matériel. Donc, nous avons pris le risque d'y aller, mais il fallait le faire. Donc, ça, c'est le premier grand reportage, sujet, en tout cas, je dis périlleux, avec lequel j'ai travaillé avec Diallo Soulman. Le second, c'est en 2007, avec l'insurrection populaire, je ne dis pas grève, mais l'insurrection populaire contre le régime du général Lansana Conté. En 2007, sous la houlette de l'intercentrale CNTG-USTG, de Rabia Toussaint Diallo et de Ibrahima Fofana, toute la Guinée s'était mobilisée derrière l'intercentrale contre le régime. Et c'était donc une insurrection. Mais la journée, il y a eu des morts, il y a eu des violences en 2007. Il y a eu des morts, il y a eu des violences, c'est évident. Mais la journée la plus difficile, la plus périlleuse aussi, la plus, puisque étant la plus meurtrière, c'était le lundi 22 janvier 2007. Le lundi 22 janvier 2007, j'étais au siège du Lynx. Mes téléphones n'arrêtaient de... J'avais deux téléphones et les deux téléphones n'arrêtaient de crépiter, de sonner. C'était les manifestants, des milliers et des milliers de manifestants qui déferlaient, qui voulaient déferler vers la ville et qui appelaient incessamment. Honnêtement, avec tous ces appels que je recevais, je dis non, je ne peux pas m'arrêter là, je ne peux pas rester là. Attendre que les gens viennent, parce que je ne sais même pas s'ils pourront venir. Donc j'ai décidé d'aller à la rencontre des manifestants, et le doyen Souleymane Diallo a dit, Amadou, tu as raison, on y va ensemble, on va ensemble. On est monté dans ma voiture, donc moi, le doyen Souleymane, Abou Bekr, Akoumba Diallo, nous sommes montés dans ma petite voiture, c'était une petite voiture Peugeot 309, je crois, et nous avons pris la direction, c'est moi qui conduisais, nous avons pris la direction du pont 8 novembre. Les manifestants, les milliers de manifestants n'étaient pas arrivés là. Mais le pouvoir avait déployé au pont 8 novembre, ce jour-là, je dirais, ces éléments les plus répressifs. Les plus répressifs. Police, armée, béret rouge, les éléments les plus répressifs était là sur pied de guerre, armé jusqu'aux dents. Parce que la consigne, je crois, c'était qu'aucun manifestant ne devait franchir le pont 8 novembre pour aller dans la presqu'île de Kaloum. Nous arrivons là, impossible de passer par le pont 8 novembre. Nous bifurquons, je bifurque et je prends la corniche. Le jardin des Opos. Je prends la corniche, oui. Non, à partir du pont... Oui, vers le jardin, effectivement vers le jardin, 2 octobre. Et nous prenons la corniche pour aller. L'ambassade, le centre culturel américain était non loin de là-bas à l'époque. Donc nous passons par là et nous prenons la corniche qui va à l'abattoir. Et dans le but de rencontrer les manifestants, on voulait prendre des contournantes pour aller rencontrer les manifestants. Mais ce n'était pas possible parce qu'après. Au niveau de chez Hadia Asmaou, la troisième épouse du général Lansana Conté, la garde présidentielle qui était déployée là aussi faisait cracher leur Kalachnikov. Ça tirait partout. Ils étaient déployés dans le quartier, dans les quartiers, ça tirait partout. On a réussi à passer, mais on ne pouvait plus aller plus loin. On n'a même pas pu atteindre l'abattoir. Ce n'était pas possible. L'idée qui m'est venue, je dirais l'idée qui nous est venue, c'est de bifurquer. Et on s'est rappelé que Sirajou Diallo, qui ne vivait plus
mais qui avait son domicile non loin de là, c'est d'aller là-bas. Et on voyait les gens blessés, les balles sifflaient partout. Ce jour-là, nous pouvions mourir. Souleymane, moi, Akumba, Aboubek, on pouvait mourir, on pouvait laisser nos vies ce jour-là. Nous arrivons donc chez Sidiadou Diallo. Je klaxonne avec beaucoup d'insistance. Et l'un de ses fils ouvre le portail à demi. Je lui dis d'ouvrir. On le connaissait, puisqu'on venait souvent ici chez Sidiadou pour faire des interviews. Évidemment, donc, le jeune a ouvert le portail et nous sommes rentrés. Il a refermé le portail. Jusqu'aux environs de 14h, 15h, nous sommes réfugiés chez Sidiadou Diallo. On a transformé la paillote de Sidiadou, la paillote de Sidiadou en quartier général de différentes rédactions. Parce que moi j'avais ma rédaction, Loudan Souleymane a sa rédaction, mais Aboubek aussi travaillait non seulement pour Loudan Souleymane, pour le Lynx, la Lance, mais aussi il était correspondant d'autres médias étrangers. Akumba, pareil, il avait aussi son journal. Et donc on a transformé pendant toute la journée la paillote de Sidiadou Diallo, personne âme, en un quartier général où travaillent des journalistes appartenant à différentes rédactions. Évidemment, vers 14h, on avait faim, mais vous ne pouvez pas sortir. Mais on n'a pas eu besoin d'aller demander à manger. C'est la famille de Sidiadou qui nous a apporté à manger. Et c'était très soulageant. Que Dieu le leur paye et accorde son pardon à Sidiadou. Mais puisque vous me dites de raconter, on a travaillé à partir de là, moi à la BBC, les autres pour leur rédaction, mais il fallait à un moment donné partir. Et puisqu'on n'entendait pas à partir de 14h, 15h les crépitements d'armes automatiques, d'armes de guerre, nous sommes dit probablement, et avec les échos aussi, puisqu'on avait toujours des appels téléphoniques, chacun de nous d'ailleurs, pas moi seul, on s'est dit, ok, on peut repartir, puisque Loudan Souleymane avait laissé sa voiture à la devanture du siège de Lynx, en ville, à Kaloum. Donc l'idée c'était de repartir là-bas, et il reprend sa voiture. Et on s'est dit, bye bye. Donc, au ressort de chez Sidiadou, on prend la corniche, il n'y a pas une âme qui circulait. Il n'y avait rien, personne. Une ville fantôme. Une ville fantôme. Il n'y avait plus personne dans les rues, à part les militaires. Au 8 novembre, nous arrivons, mais c'est tellement effrayant quand vous êtes devant une telle situation. Vous êtes seul, on entendait. Le seul bruit que j'entendais, qu'on entendait, c'était le bruit de ma voiture. C'était très effrayant, honnêtement. C'est des moments assez difficiles. Quand on les raconte aujourd'hui, ça ne dit pas grand-chose aux gens, mais ce jour-là, on pouvait y laisser notre vie. Donc, nous dépassons le 8 novembre. Au niveau du palais du peuple, il y a des barrages de militaires. On ne nous a pas laissé passer. Et les militaires, avec des branches d'arbres, qui cognaient les voitures qui tentaient d'aller à Kaloum, les quelques voitures, parce que là, à ce niveau, on a vu une voiture au niveau du palais. Mais cette voiture aussi a été refoulée, comme nous, on a été refoulés. Ce n'était pas possible d'aller à Kaloum, ils avaient bouclé le centre-ville. Nous sommes retournés et on a pu franchir le 8 novembre, parce qu'ils avaient allégé le barrage. On a franchi le barrage et nous pensions être sauvés lorsque nous sommes arrivés en prenant la cité ministérielle, au niveau de la pharmacie de la cité ministérielle, on dépasse là. Là aussi, on rencontre un autre barrage de Béret Rouge. Parce que Hadja Kadjar, cette comté, était en ce moment à la cité ministérielle. Et la garde présidentielle déployée chez lui s'était déployée partout là-bas aussi.
avec Kalachnikov est vraiment prêt à dégainer. Prêt à dégainer. Ouais. Ce jour, c'était aussi difficile. Il y a un barrage. Nous sommes des journalistes. Qu'est-ce qu'il faut faire? On était seul, seul dans la circulation. Et finalement, est-ce que vous avez eu des occasions lors desquelles vous et Souleymane et les autres, vous vous racontiez cela en souvenir comme vous le faites maintenant là, tout en rigolant dessus? Oui, il nous est souvent arrivé de dire on avait pris des risques, c'était très dangereux, on pouvait y laisser nos vies, puisque on avait réussi à passer le barrage, ce barrage aussi au niveau de la cité ministérielle. On avait réussi à passer ce barrage aussi. Je les ai ramenés tous chez eux, un à un, et le dernier à rentrer chez soi, c'était moi. Et donc, oui, on a eu le temps de nous raconter parfois ces histoires et d'en rire, mais et de se souvenir que c'était assez grave. Mais c'est des risques qu'il fallait prendre. Donc, avec Souleymane, ces deux reportages notamment m'ont marqué. Je n'ai pas oublié que c'était vraiment des risques énormes qu'on avait pris, surtout dans le deuxième cas, alors, en 2007. D'accord. Alors, M. Diallo, du début des années 90 à date, quelle est la particularité qui vous a marqué chez M. Diallo Souleymane? Chez Diallo Souleymane, ce qui m'a marqué, c'est que ce monsieur, il ne connaît pas la peur. Ou même s'il... Jamais je l'ai vu apeuré. Je ne dis pas qu'il n'a pas peur, parce qu'il est humain. Tout humain, à un moment donné, peut avoir peur. Pour sa vie, pour la vie de sa famille. Mais c'est quelqu'un qui n'extériorisait pas, qui n'exprimait pas la peur. Vous ne pouvez pas lire la peur, l'expression de la peur sur son visage. Puisque je l'ai vu lors de ces deux exemples que j'ai cités, je n'ai pas vu en lui la peur. Et je l'ai vu à la barre, en train d'être jugé aussi. Je l'ai vu devant des policiers en train d'être interrogé en 95, en 96. Je n'ai pas vu en lui l'homme qui a peur. Un journaliste m'a demandé, je crois que c'est à Espace, m'a demandé, dans les grandes gueules, on m'a demandé de en un mot, de dire qui est Souleymane Diallo. Je dis, Souleymane, si on veut le présenter, je dis, c'est l'homme qui refuse la peur. C'est le refus de la peur, c'est comme ça que moi je le définis comme ça, le refus de la peur. Mais aussi, c'est un homme qui aime l'indépendance, qui aime sa liberté. Parce que il a été, le premier poste de journaliste qu'il a eu, c'était à Oroya. Le journal, le quotidien gouvernemental Oroya. Sous la Révolution, ou pendant la Révolution. Travailler à Oroya pendant la Révolution, c'était travailler pour la Révolution. Et je me demande bien si ceux qui travaillaient là-bas à l'époque étaient libres. Je ne le crois pas. Et donc, lorsque le doyen Souleymane a vu qu'il n'avait pas son indépendance et sa liberté à Oroya, il a démissionné. Démissionné à Oroya. Mais démissionner sans dire qu'il démissionne. Parce qu'à l'époque, vous ne pouviez pas dire que vous démissionnez. Si vous démissionnez, vous prenez la poudre d'escapette, vous cachez. Contre-révolutionnaire. Si vous annoncez ce qui vous attend, c'est sûr, c'est le Kambouao. Donc il a démissionné sans dire qu'il démissionnait et il s'est exilé. Il a pris la route, il a traversé les frontières. Il a rejoint la Côte d'Ivoire. Mais après, il regagne la Guinée. Au début des années 90, avec d'anciens amis à lui exilés en Côte d'Ivoire, il lance la Nouvelle République de Bamamadou.
Ils sortent, ils publient le premier numéro. Mais Souleymane Diallo trouve que Bah Mamadou est trop possessif. Il trouve donc qu'il n'a pas sa liberté avec Bah Mamadou au sein de la rédaction de la Nouvelle République de Bah Mamadou, qui fut l'un des premiers, la Nouvelle République fut l'un des premiers journaux privés lancés ici. Donc, Souleymane et ses amis quittent la Nouvelle République et ils décident de créer un journal. Mais ils n'ont pas les moyens encore. Ils repartent en Côte d'Ivoire. Il va chercher les moyens, il continue de travailler, il va chercher les moyens. Il fait des stages, des formations. Lorsqu'il a fini de réunir les moyens, il est rentré en Guinée. Il lance en 92 le Lynx. En 93, puisque le régime trouvait que le Lynx était dérangeant et que interdire carrément le journal, c'était, disons, se lancer... Mal passé devant la communauté internationale. Oui, se faire un peu harakiri, se renier à certains engagements que l'État avait pris, notamment sur la liberté de la presse, sur la démocratie, sur l'État de droit. Donc interdire un journal, c'est toujours délicat pour un pouvoir. Surtout un journal comme le Lynx. Qui est satirique. Qui était le seul satirique. Et qui est, je crois, jusqu'à maintenant, resté le seul satirique. Ça, c'est la constance. Mais, donc, le pouvoir manœuvre pour envoyer Souleymane à... Comment ça s'appelle? Ce n'est pas la haute autorité de la communication, de l'audiovisuel, non. Ce n'est pas là. C'est au Conseil national de la communication, le CNC. Donc, le pouvoir se débrouille à envoyer, contre son gré, Souleymane Diallo siéger au CNC. Mais quand vous siégez au CNC, vous ne pouvez pas avoir une autre activité parallèle. C'est incompatible. Donc, l'incompatibilité, si Souleymane siège, c'est qu'il ne peut plus s'occuper du Lynx. Il va y siéger, contre son gré, mais il ne fera pas plus de 8 à 9 mois. Parce qu'il se rendra compte que c'était un piège, et qu'il fallait déjouer le piège pour ne pas que son entreprise périclite. Il va donc démissionner du Conseil national de la communication, qui était à l'époque dirigé par le professeur Sékou Kaba, il va démissionner contre la volonté de Sékou Kaba, qui ne voulait pas annoncer la démission. Et Souleymane, le doyen Souleymane, va le contraindre à annoncer la démission au collectif des conseillers. Donc, il retourne, évidemment, pour s'occuper de son journal, le Lynx. Donc, vous voyez, je peux dire, en 93, il n'y avait pas, à ma souvenance, si j'ai bonne mémoire, il n'y avait pas, en 93, un Guinéen, un fonctionnaire, non pas un fonctionnaire, mais un intellectuel guinéen, un cadre guinéen, qui avait démissionné, à part Jean-Claude Diallo, qui était ministre de l'Information en 85-86, qui était ministre de l'Information, qui était un diaspo, qui est finalement retourné en Allemagne. Et qui est retourné exactement en Allemagne. À part Jean-Claude Diallo, il n'y avait pas... Diallo Souleymane fut le deuxième cadre intellectuel guinéen à démissionner sous le régime Conté, si j'ai bonne mémoire, en 93. Alors, donc ça, je pense que... Je parle de tout ça pour vous dire que c'est quelqu'un qui aimait son indépendance et sa liberté. Et qui est constant, avant que vous nous posiez votre question. Le Lynx, qui caricaturait tout le monde, qui croquait tout le monde, qui avait des sobriquets pour tout le monde, avait un sobriquet
pour Alpha Condé, Alpha Grimpeur, à cause du meeting de Kolea. Pendant toutes les années d'opposition d'Alpha Condé, le Lynx l'a appelé Alpha Grimpeur. Alpha Condé, en 2010, arrive au pouvoir. Le Lynx a continué de l'appeler Alpha Grimpeur. Ça, jusqu'à son départ, le Lynx l'a appelé Alpha Grimpeur. Pensez-vous que ça, qu'Alpha Condé aimait se faire appeler Alpha Grimpeur? Peut-être si ça ne le dérangeait pas quand il était dans l'opposition, mais devenu président, probablement que ça le dérangeait. Mais le Lynx a continué. Ça, cette constance, il faut voir cette constance. D'accord. Alors, Monsieur Diallo, peut-être en deux mots, en cinq minutes si on peut le dire comme ça, quelle est la touche que Monsieur Diallo a apportée, Monsieur Souleymane Diallo a apportée à la presse guinéenne, à cette nouvelle presse, à cette nouvelle génération de journalistes, je vais dire, à la floraison de tout ce qui est radio, de tout ce qui est site, de tout ce qui est média. Et l'autre question, est-ce que la célébration de M. Souleymane Diallo à son vivant, c'est l'initiative d'un homme, Salman Kerfala Cissé, qui a voulu associer, s'il faut le dire comme ça, tous ses amis, ses collègues journalistes pour célébrer M. Souleymane Diallo après tant d'années de service. Et vous êtes associé à cette organisation. Et nous sommes à 3 jours, à 72 heures de cette cérémonie qui va se tenir au chapiteau du Palais du Peuple. Alors, vous avez posé 2 questions. Je vais commencer par la première, puisque c'est la raison pour laquelle nous célébrons Diallo Souleymane. Diallo Souleymane a apporté beaucoup à la presse guinéenne. Diallo Souleymane s'est battu bec et ongles pour que nous ayons une presse privée, libre, indépendante. Une presse libre, indépendante, tout court. Parce que sa détermination, sa constance, son audace ont fait qu'il a créé un journal qui est resté indépendant. Indépendant des pouvoirs publics, de l'État, mais indépendant aussi des partis politiques. Il a suivi ce chemin du début jusqu'à maintenant. Et c'est pour ça que le journal continue d'exister. Autrement, aujourd'hui, vous savez que la presse papier a beaucoup de difficultés. Donc, Diallo Souleymane est allé en prison par 2 fois. Il n'a pas renoncé. Peut-être que s'il renonçait, ça pouvait impacter l'évolution de la presse guinéenne. Parce que si une personnalité marquante démissionne, renonce, abdique, oui, il y a des conséquences. Et parmi les conséquences, c'est peut-être que beaucoup de journaux aussi auraient suivi le chemin. Et la bataille pour éliminer les journaux, pour éliminer les journalistes gênants, aurait été plus facile pour le régime. Mais le régime avait en face un dur à cuire, qui est Souleymane Diallo, qui n'abdique pas, qui n'a pas peur, qui ne renonce pas. Et à côté de lui, il y a eu des journalistes qui ont dit on va suivre son exemple, on va créer des journaux, suivre son exemple. Sans compter que la plupart des journalistes qui ont créé des journaux ont été formés là-bas, soit chez Souleymane Diallo, dans son groupe de presse, ou bien au niveau du groupe de presse de l'Indépendant. Donc, si vous me demandez qu'est-ce qu'il a apporté, je dis qu'il a apporté énormément. Il a apporté énormément du point de vue du combat, aussi bien sur le terrain médiatique, mais aussi du point de vue de l'élaboration des lois. Parce que la première loi sur la presse en Guinée, élaborée en 91, je crois, 91-92, Souleymane Diallo faisait partie des rédacteurs de cette loi. De même qu'il faisait partie des rédacteurs de la loi L02 qui gouverne en ce moment le fonctionnement de la presse en Guinée de 2010. Donc, et qui dépénalise les délits de presse. Et je l'ai entendu dire que le dernier à prendre la parole
au CNT à l'époque, en 2010, le dernier à prendre la parole avant le vote de cette loi qui dépénalise, qui décriminalise les délits de presse, c'était lui. Donc, ce monsieur a apporté beaucoup, 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 et c'est l'une des raisons pour lesquelles on le célèbre. Oui, l'initiative est partie de Sanou Kalfala Cissé, qui a travaillé chez Souleymane Diallo, qui a tout appris chez Souleymane Diallo, et qui s'est dit, je vais célébrer l'unique patron que j'ai eu dans ma vie, puisque lui-même aujourd'hui, il est patron de presse, grand patron de presse. Et il a associé, il a élargi la concertation. Et comme disent les marxistes, une idée qui s'empare des masses devient une force matérielle. Et c'est cette idée de Sanou Kalfala qui s'est emparée de nous tous, de toute la presse guinéenne, et qui a grandi et qui donne aujourd'hui ce mouvement d'ensemble qui implique toute la presse guinéenne dans sa diversité, mais dans sa totalité. Vous avez en face de vous M. Souleymane Diallo. Dites-lui ce que vous avez envie et qu'il entende de vous. Peut-être qu'il n'avait pas auparavant entendu. Vous m'embarrassez, honnêtement. Mais ce que je peux dire au doyen Souleymane, c'est que je lui souhaite une longue vie. Qu'on a besoin de lui, qu'on a toujours encore besoin de lui, que la presse guinéenne a encore toujours besoin de lui, et que son combat pour la liberté de la presse, pour la démocratie, pour la liberté d'expression en Guinée n'est pas terminé. Merci. Merci beaucoup, M. Diallo. C'est moi qui vous remercie.